Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 30 novembre 2021, direction l'hippodrome de Deauville pour le prix d'Utah Beach. Deuxième course de la Réunion 1, où 16 galopeurs âgés de 3 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Pour ce Quintet Plus très ouvert avant coup, il ne faudra pas hésiter à élargir ses combinaisons. Sur le parcours des 1300 mètres de la piste en sable fibré normande, il y aura du rythme du départ à l'arrivée. Une fois encore, espérons que nos deux bases seront à l'arrivée de la bonne combinaison du Quintet Plus. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous nous retenons le numéro 4, Kiava Fucci. Henri Alex Pantin l'aime beaucoup et pense que ce oncle de 6 ans, fils de Wootton Bassett, peut confirmer sa plus récente deuxième place en jouant cette fois-ci la victoire finale. En deuxième choix, le numéro 14, Magic Vati. Spécialiste de la piste en sable fibré et piloté par un certain Théo Bachelot qui lutte activement pour la cravache de bronze, il serait tout simplement fou de ne pas le retenir en haut rang. En troisième choix, retrouvons le numéro 7, Restive. Il vient de gagner à la mode et même bien que pénalisé au poids, il peut espérer confirmer dans ce lot avec l'aide de la talentueuse Marie Bell. En quatrième position viendra le numéro 10, Tibasti. Avec ses œillères pleines et en progression actuellement, il peut lui aussi répéter et terminer à l'une des trois premières places. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 16 et s'est transformé. Plaisant vainqueur lors de sa dernière tentative, pardon, pour ses débuts dans les handicaps, il peut faire plaisir à son entraîneur, un certain Alain Droyer-Dupré. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 3, Cher Calme. Georges Doleuze l'aime bien et pense qu'il peut faire l'arrivée s'il fait sa meilleure valeur ici, et ce, à une cote très amusante. En avant-dernier choix, le numéro 5, Weshdan. Maurizio Guarneri l'aime beaucoup, et comme Anthony Crastus est en très belle forme actuellement, cette femelle de 4 ans peut espérer rivaliser avec les mâles. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 2, Fayatan. Clément Lecoeuf sera aux commandes de ce pensionnaire de Gianluca Bietolini, qui peut lui aussi espérer rivaliser avec ses aînés, âgés simplement de 3 ans. En cas de non partant, le numéro 6, Moaeva, qui dépend du redoutable entraînement d'un certain Vaclav Luka, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, dimanche, Turf Sélection indique le tiercé, ainsi que de nombreux coups de cœur à la gagne tout au long des différentes réunions. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple, puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre fameux compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant un abonnement VIP. Turf-fr.com